C'est l'heure du goûter. Voyons ce qu'on a là. Un journal? Je peux pas manger ça. Qu'est-ce que j'ai dans ma poche? Pas grand-chose. Ça va pas le faire. C'est tellement décevant. Au moins, j'ai quelque chose à lire. Non, ça ne va pas. Attendez. Non, c'est de la camelote. Hé, c'est quoi ton problème? Oh, je dois trouver une nouvelle benne à ordures. Bon, j'en étais où? Ah oui! Donnez-moi de l'argent! Personne ne veut m'aider! J'ai une idée. Tiens, prends ça. Et souviens-toi, je n'ai jamais été là. Ok, c'était bizarre. Y a quoi là-dedans? Waouh, j'y crois pas! C'est quoi tout ce bruit? Attendez une seconde. Je n'ai pas d'espèce. Tu peux la prendre. Waouh, pas possible! C'est une vraie? C'est mon jour de chance! Quoi? Vous vous moquez de moi? Et moi alors? Eh bien, comment ça va? Tout va bien? Je tousse un peu. Oh non, pauvre homme! Tu dois aller à l'hôpital! Quoi? Je suis malade aussi! Regardez! Hein? C'est vraiment nécessaire? Je veux pas faire ça! Ok, qui est la suivante? Moi, s'il vous plaît! Vous deux, entrez! Ok, c'était amusant! Waouh! Où est-ce que je suis? Waouh! Je suis au top! Qu'est-ce qui se passe? C'est incroyable! Waouh! J'adore les diamants! Mais cette décoration! Oh, il faut la changer! Docteur, entrez! Oui, est-ce qu'il y a un problème? Tout ça, là, ça doit partir. Je ne te laisserai pas tomber. J'aurai besoin de quelque chose de spécial. Allez, au boulot. Ce ne sera pas long. L'or ajoutera de l'éclat. C'est exactement ce que je veux. Waouh, c'est magnifique! Je pense que ça ira. Waouh, c'est parfait! De l'or déchiqueté! Ça peut aller sur le mur. Ouh, super! Ça, c'est mieux! C'est tout à fait mon style. Parfait! J'ai quelque chose pour vous! Vous l'avez mérité! Oh, tu n'aurais pas dû! C'est tellement gentil! Waouh! Est-ce que c'est... Oh, incroyable! J'aimerais avoir de l'or! Hé, docteur! Je dois y aller! Le devoir m'appelle! J'ai besoin de votre aide! Non, mais c'est une blague! Je vaux plus que ça! Mais peut-être que je peux quand même t'aider! J'ai ce dossier! À quoi ça sert? Je prends quand même l'argent. À plus. Qu'est-ce que je suis censée en faire? Ah, j'ai compris. Je dois le découper. Ça devrait être facile. Ceci garantira qu'il soit bien droit. C'était facile. J'ai encore du travail à faire. Je vais devoir plier la chemise en deux. Comme ceci. Ensuite, j'aurai besoin de colle. Je vais en appliquer un peu ici. Ça devrait suffire. Maintenant, je vais replier l'autre extrémité. Je vais appuyer les extrémités ensemble et bien presser. Maintenant, je vais passer plus de chemises à travers la boucle. Et je vais répéter le processus. Je veux fabriquer une chaîne. Il m'en faudra beaucoup plus. Waouh, ça a l'air génial! Waouh, elle a fait ça! Je n'ai rien! On dirait un arc-en-ciel sur mon mire. Attendez, qu'est-ce que c'est? Un bouton mystérieux? Je vais appuyer dessus. Et maintenant? Pas possible! Est-ce que je rêve? Waouh! C'est trop cool! C'est un peu ennuyeux. Ah ah! J'ai trouvé! Je peux utiliser ce carton! J'ai besoin de faire des plis. Je suis fort en origami. C'est un bon début. Il me faut un feutre. Je vais dessiner des triangles dessus. Comme ça. Maintenant, je vais le retourner. Je dois le couper. Je suivrai les lignes. Un coup de ciseau par ici. Je ferai ça tout le long. Je ne veux faire aucune erreur. C'est exactement ce que je veux. Ça a l'air bien. Je vais l'accrocher sur ma maison. Ça semble être un bon endroit. Ensuite, je vais ajouter de la couleur. Je vais commencer par la peinture. Je me sens vraiment comme un artiste. Je devrais en devenir un. Jusqu'ici, tout va bien. Maintenant, je vais la remplir. Que faire maintenant? Ah, je sais! Je vais ajouter des tiges vert foncé. Ça va vraiment prendre forme. Je sais quoi faire maintenant. Je n'ai pas besoin de ce gant.
J'ai besoin d'une approche plus pratique. Je vais peindre sur ma main. Ça chatouille, mais ça en vaudra la peine. J'ai besoin de faire des pétales de fleurs. Ça fera l'affaire. Ensuite, je vais la presser contre le mur. Wow, ça a marché! Qu'est-ce qu'il fait? Vous voyez ça? Hein? Qu'est-ce que c'est? De belles fleurs. Mère Nature serait fière. J'adore! Oh, c'est tellement joli! C'était la réaction que je cherchais. Ces fleurs sentent si bon! Eh bien, j'ai aussi des fleurs. Je sens juste mauvais. Oh, qu'en est-il de ça? Non, rien. Oh-oh! Atchoum! Atchoum! Mon allergie! C'est tellement injuste! Mais j'ai une idée! Ce sera bien! Il est temps de se mettre au travail. Je vais dérouler le papier toilette. J'ai besoin d'une feuille. Je vais le découper. C'est parfait. Maintenant, je dois lui donner une forme. Je vais le rouler doucement. Je ne veux pas déchirer le papier. Maintenant, je vais pincer la base. Je vais enrouler un autre morceau autour. Je veux créer les différentes couches. Je vais ajouter une feuille de plus. Ça suffira. Ça ressemble à une rose. Et ça ne me fait pas éternuer. Attendez un peu. Ça me donne une idée. Je peux décorer la pièce. Je vais mettre la fleur sur cet arbre. Je vais en ajouter un peu plus. On dirait que ça fleurit. C'est la dernière. Waouh, je suis tellement heureuse. De quoi tu parles? Hé, c'est plutôt bien. Quelqu'un est jaloux? C'est ce qu'on va voir. Ça fonctionne d'habitude. Bon, je vais utiliser la cloche. Hé, venez ici. J'attends. Oh, j'abandonne. Je vais devoir le faire moi-même. Je vais devoir utiliser ce cercle. Je vais devoir le séparer. C'est la partie facile. Maintenant, j'ai besoin d'un tube en mousse. Je vais le glisser par-dessus le cercle. Je vais le pousser tout autour. Ensuite, je referme le cercle. Maintenant, je peux la décorer. Je vais enfoncer les fleurs dans la mousse. Je veux la couvrir. Heureusement, j'ai beaucoup de fleurs. Ça va être époustouflant. Je m'amuse tellement. C'est trop fun. Je vais mettre ça juste ici. C'est tout. Waouh, c'est incroyable! Regardez ça! Waouh, j'y crois pas! C'est une œuvre d'art! Je vais la suspendre juste ici. Je pourrais la regarder toute la journée. Comment je vais rivaliser avec ça? Qu'est-ce que... Le doigt fuit! Juste ce qu'il me fallait. Oh, ça devrait tout arranger. C'est parti! Waouh, je suis dans la zone! Ça a l'air bien! Oh ouais! C'est de ça que je parle! Mon propre abri de pluie! Jette un coup d'œil! Qu'est-ce qu'il y a maintenant? C'est beau, hein? Ouais, j'aime bien! Mais je préfère la mienne! J'ai fait un super rêve! Merci de m'avoir tenu chaud, Shirley! Ah! Un peu d'exercice! On inspire et on descend. Ah! 29 et 30. Hop! C'est mieux que le café. Mes cheveux, ça va. Il me faut des dents étincelantes pour aller avec. Burke! Elle est couverte de cheveux. Pouah! Est-ce que j'en ai une autre? Parfait. Mais... Y a plus rien là-dedans? Ça y est! J'en ai un peu! C'est bon! Quelque chose à se mettre sous la dent? J'avais super soif! Encore un peu? Je crois que ce n'est pas normal. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On fait une fête chez moi ce soir. Ça va être trop cool. Oh! Salut les filles! Bouge, espèce de nulle! Oh! Elles n'ont pas dû me voir! Où sont mes lunettes? Est-ce que quelqu'un peut m'aider? C'est quoi cette lumière? C'est à toi? Attends! Tu
peux éloigner ça de moi? Oh, comment j'ai pu toucher ce truc? Je dois me désinfecter. C'est mieux. Hé, hey, les copains! Ellie, faisons une photo. Souris! Oh, vous êtes les meilleurs! Hein? Qu'est-ce qui se passe? C'est un hélicoptère? Mais qui c'est? Merci pour le petit tour. J'aime faire une entrée sensationnelle. C'est dur d'être si riche. Bien, bien, bien. Qu'avons-nous là? Hein? Oh, bonjour. Hé, c'est le moment de voter pour la cour du bal de promo. J'en connais un qui ferait un bon roi. Où est mon stylo? Très bien. Je suis vraiment le meilleur choix. Enfin bon, à bientôt. Waouh, il est si charmant. Waouh, pouh. C'est quoi ça? C'est le moment de voter pour la cour du bal de promo? Oh, ce vieux truc devrait faire l'affaire. Allez, c'est le seul stylo que j'ai. Mais j'ai de l'encre en stock. Hé, hey, ça marche. Super, j'ai réussi. J'ai trop hâte. Je t'aime. Oh, c'est déjà le matin? J'ai dormi comme un bébé. Oh, oh mon cou! Oh, j'ai dû me faire un torticolis. Bon sang, un peu d'aide. Que puis-je faire pour vous? Ma nuque est très raide. Rien qu'un massage ne puisse arranger. Waouh, formidable! Je me sens déjà mieux. Bon, ça suffit. Je suis tout détendu. Très bien. Oh, c'est moi? C'est grave. J'ai besoin d'aide. Voulez-vous une brosse à dents, monsieur? Je vous propose 5 options. Laquelle choisir? J'opte pour la brosse dorée. Très bien. Et j'ai votre dentifrice préférée. Souriez. Ça fait du bien. J'ai presque terminé. Waouh! Voilà. Merci. Votre petit déjeuner? Waouh! Tu peux y aller. Je n'ai pas besoin d'un public. Quelle heure est-il? Ah, j'ai très bien dormi. Qu'est-ce que... Oh, j'ai dû me faire un torticolis ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Que fait ma brosse à dents là? Des cheveux? Bah, dégoûtant! Dégage! J'espère que j'ai assez de dentifrice. Bouche propre, me voilà! Oh, c'est ce que je craignais! Allez! J'ai besoin de deux mains pour ça! Allez, sors! Allez! Oh, je sais que c'est là! Oh, je le vois! Oui, le voilà! Je savais que t'étais là! Qui a besoin d'une brosse à dents quand on a des doigts? Oh, rinçage! Hé, j'ai pas payé la facture d'eau? Oh, mince alors! Et ma bouteille d'eau? C'est mieux que rien. Et voilà! Ah, parfait! Oh, je ferais mieux de me préparer. Mes cheveux sont dans un sale état aujourd'hui. Eh oh, j'ai besoin de vous! Besoin d'aide, Liam? Qu'est-ce qu'il y a? C'est tout simplement incontrôlable! Pas de panique, je m'en charge! Accrochez-vous! Cette chevelure sera très vite en vogue! Et voilà! Vraiment? Oh, je sais pas trop! C'est trop gras! Oh, restez calme, je vais essayer autre chose! Faites confiance au processus! Et voilà! Vous aimez? C'est pas encore tout à fait ça! Eh bien, je suppose que je pourrais essayer quelque chose de nouveau!
Il me faut juste ces petits trucs. Oh oui, ça va être super. Attendez voir. Comme ça, ça ne cachera pas votre visage. Intéressant. J'aime bien. Mais je n'ai pas encore fini. Ceci donnera un coup d'éclat à l'ensemble. Ça va être vraiment génial. Croyez-moi, ils vont directement à la racine des cheveux. Wow, c'est vraiment différent. J'adore. Pour tes services. Au plaisir. Et voilà un beau gosse. J'adore le jour du ménage. Ça déstresse. Ça me donne le temps de réfléchir. N'oublions pas le sol. Vous voyez, n'est-ce pas méditatif? Et c'est facile avec ce truc. Et voilà. Ouf. Oh non, mes cheveux! Ils sont incontrôlables! J'ai pas le temps de les arranger! Ou si... C'est parti! Mais j'ai d'abord besoin d'élastique. Voilà, maintenant les cheveux! C'est parti! Trop mignon! Et je n'ai presque pas à lever le petit doigt! Voilà de quoi je parle! Attention tout le monde! 3, 2 et 1! Waouh, si tu voyais ta tête! Ok, on le fait en même temps. Oh, du pain en or! Basique, mais avec un peu d'imagination, je peux en faire quelque chose. Je me demande quoi faire. Du pain grillé? Non, je ne sais même pas faire griller du pain. Moi non plus. D'accord. Oh, je crois que j'ai trouvé. Ça pourrait marcher. Mets le pain sur une feuille d'aluminium, ajoute le fromage et une autre tranche de pain. Replie l'aluminium. Ok, et après? Oh, bien sûr, je reviens tout de suite. Ce n'est pas mon problème. Où est-il? Ah, voilà! Ne faites pas attention à moi. J'emprunte juste le fer à repasser. Elle est bonne, cette saucisse. Je savais que j'avais du ketchup, mais... Ma saucisse! Hé, debout! Je t'ai déjà dit de ne pas faire ça! Je ne suis pas un voleur de saucisses! Je ne vois pas ce que je vais faire avec ça. Tu fais ta lessive? J'aurais dû y penser avant. Mes bijoux, c'est ça! Bien sûr, madame. Je devrais faire plus de muscu. Phew! Ils sont tellement beaux! Elles iront parfaitement. Je vais étaler ces chaînes sur le pain. J'adore faire la cuisine. L'or, on n'en a jamais assez. C'est ce que tu appelles cuisiner? La dernière tranche? Impressionnant! Oh, mon sandwich! Je ne dois pas le brûler! Ça sent trop bon! C'est si rudimentaire. Oh non, je ne peux pas le soulever! Il est trop lourd! Très bien, mesdames. Présentez vos plats. Oh, waouh! À plus! Enfin! Et qu'a-t-on de ce côté? Immangeable? Recalé! Tu n'as aucun goût! Est-ce que j'ai l'air bien? Mes pieds auraient certainement besoin d'aide. Il y a d'autres chaussettes par ici? J'ai entendu que tu avais besoin de chaussures. Prends-les! Merci, mec des poubelles! Rien de plus propre là-dedans! La souris! Je suppose que c'est mieux que rien! Elles sont tellement sales! C'est comme si c'était collé dessus! La vie à la dure, ce n'est pas pour moi! Ce truc peut tout simplement me changer la vie! Le dissolvant pour vernis à ongles peut enlever les taches! En verser un peu sur un coton de maquillage, ensuite il faut frotter sur la surface sale. Continue, tu y es presque! Tu vois? Comme neuf! Hé, super mignon! Ta-da! Ah! Ça te dérange de m'aider avec ça? Tu es tout seul! Oh! J'ai vraiment bien dormi la nuit dernière! Non! S'il te plaît, dis-moi que ce n'est pas du caca! Pourquoi cela m'arrive-t-il à moi? Hé!
Comme si les choses ne pouvaient pas être pires. Cela ne peut pas être hygiénique. Il y a quelque chose de bien ici. Je vois un petit snack. Cet oiseau me gâche la vie. Je vais devoir me venger alors. Des ailes de poulet, en route. C'est déjà le matin. La lumière brille vraiment ici. C'est mon petit déjeuner. Merci, j'ai vraiment faim. Tu aimes les serviettes de table? Ok, si c'est ce que tu veux. Mais essayons de cette façon. Ça, c'était gênant. Merci. Ça a l'air délicieux. C'est si doux. Ta fourchette? Hein? Oh, on dirait que ça t'a plu. Quand tu dois manger, tu dois manger. Heureusement, mes ongles sont impeccables. Excusez-moi, j'essaie de balayer ici. Oh, vraiment? On est trop bien pour bouger, hein? Ok, bien, je vais bouger. Je vais juste prendre un snack pendant que j'attends. Miam! Délicieux! Très bien, j'ai presque fini. Je n'en ai plus besoin. Viens le chercher! Jamais personne ne m'écoute. Tout est impeccable. Waouh! Je tombe! Ouf! Qu'est-ce qui vient de se passer? Je vois des étoiles. Oups! Désolée! Qu'est-ce qui se passe ici? Je suis désolée. Ah oui! Ces enfants sont tellement gâtés. Nous pouvons y mettre un terme. Tu as oublié une partie. Ouais, c'est ça. C'est le pire jour de ma vie. J'ai déjà toutes ces tenues. C'est déjà l'heure du goûter. C'est le troisième aujourd'hui. Regarde tous ces biscuits. Un peu de saleté ne m'a jamais fait de mal. Kate! Non! Tu vaux tellement mieux que ça! Ne t'avise pas de toucher à ce biscuit! En sécurité! Tu vas bien? Tu n'avais pas besoin de faire tout ça? Hé, détends-toi! Tu as eu une grosse journée! Tu vois, tout va bien! Non, s'il te plaît, j'insiste. Voilà, maintenant tu peux le faire descendre avec ça. Ah, quand tu es heureuse, je suis heureuse. Parfois, être pauvre ne veut pas dire grand-chose si tu es riche dans ton cœur. Malgré tout, il est toujours bon d'apprécier ce que l'on a quand on l'a. Quelle fille de la vidéo tu préférais être? Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer. Laquelle? Je me demande quel goût a celle-là. Trop bon. Bien chocolaté. Qu'est-ce qu'elle fait? Oh là là! Pardon, je devais rêver. On dirait que tu pourrais avoir besoin de ça. Tiens. Merci. Oh, berk! C'est quoi? De la soupe? C'est brûlant! Je comprends pourquoi il n'est pas bon! Hé, hey, je sais! Tu as du soda chaud? Verse-le dans un verre et glisse un bâton de glace dedans. Une fois congelé, tu peux tirer sur le bâtonnet. Mais non! Maintenant, le soda est à nouveau froid! C'est beaucoup mieux qu'une boisson classique. Mes cheveux sont prêts pour l'école. Et maintenant, où sont mes livres? Aha!
Il me faut beaucoup de choses en ce moment. Qu'est-ce que j'oublie? Où sont mes stylos? J'aurais juré en avoir laissé par ici. Oh non! Rends-moi ça, satané souris! J'en ai vraiment besoin, d'accord? Oh! Je n'arrive pas à y croire! Hé! Hey, une vieille boîte de chips! Je peux m'en sortir avec! Mets de la colle chaude le long des côtés, comme ça! Ensuite, fais des zigzags! Puis retourne la boîte et dépose de la colle sur le dessous. N'oublie pas d'en mettre au milieu. C'est bien de faire un schéma croisé. Voilà! Maintenant, retourne le tout et enlève la boîte. Colle bien le haut et le bas. Et ajoute une fermeture éclair. Quelqu'un a besoin d'une trousse? Wow! Je sais utiliser mes 10 doigts quand j'en ai besoin. Il ne faut pas que je sois en retard. Bien, alors à qui le tour? Bonjour! Vous pouvez sourire. Super, merci. Cheese! Oh! Vous êtes déjà allé chez le dentiste? Hein? Oh! Elles ne sont pas belles du tout, hein? Allez, sortez! Qu'est-ce que je suis censée faire par rapport à ça? C'est trop gênant. Hé, j'ai une idée! Découpe un rectangle de papier sulfurisé et mets du dentifrice au milieu. Ça m'a l'air bien! Saupoudre le papier de bicarbonate de soude. Quand c'est bon, enroule-le autour de ton doigt. Là, c'est prêt! Il suffit de le coller sur tes dents. Et d'attendre. Après 20 minutes, tu peux retirer le papier. Regarde-moi ces dents blanches comme les stars. Bien joué! Faites-moi un grand sourire, d'accord? Attends, ce n'est pas... l'anniversaire d'Ava? Comment j'ai pu oublier? J'ai un cadeau qui traîne dans le coin. Oh, c'est sûr qu'il n'est pas là. Ça? Non! Un ballon de plage? Non! Du papier bulle? Mais oui! Ce truc a plein d'utilité! Alors, qu'est-ce que je peux faire avec? Oh, oui! Découpe un petit carré et peins une bande tout en haut du papier. Essaie de la faire la plus droite possible. Ensuite, fais d'autres bandes de couleurs différentes. C'est pas trop cool? C'est Ava là-bas! Joyeux anniversaire! Je t'ai fait quelque chose de spécial! Oh, merci! C'est trop drôle! Ça va m'occuper pendant des heures! Je suis trop contente que ça te plaise! J'adore ma meilleure amie! C'est ma chanson préférée! On est bien au soleil, hein? Qu'est-ce que tu lis? Oh, c'est bien luxueux, ça! Il y en a une qui a envie de bijoux! Je reviens! Bonjour! Est-ce que vous avez quelque chose qui ressemble à ça? Vous avez de la chance, monsieur! Qu'est-ce que vous dites de ça? Je ne sais pas si je peux me le permettre! Ça? C'est encore plus cher! Et celle-là? Oh là là! Attendez! À l'aide! Qu'est-ce que je fais? Oui! Tu vois ce feutre? Utilise un stylo à colle pour dessiner un joli motif. Continue! Il faut que ça fasse bien tout le tour du stylo. Tu peux l'enlever quand la colle est sèche. Dis donc! Quoi? Choisis une main. Celle-là. Bon, celle-là. Ta-da! C'est pour moi? Elle est super originale! Une vraie bague! Et à moi en plus!
Je n'ai plus besoin de ça maintenant. Je l'adore. C'est nul de devoir se faire les ongles soi-même. Mais je ne peux pas me payer une manucure. C'est quoi ça? 2 euros? Ça, c'est dans mes moyens. Bonjour, je peux vous aider? À vous de me dire. Quelle horreur! J'ai bien peur que ça vous coûte de l'argent. Vous voulez laquelle? Ces prix sont exorbitants! J'ai bien peur de n'avoir que ça. 2 euros, vous voyez? Oh là là! Je vais devoir faire des ongles au pistolet à colle. Je prends! D'abord, prends une feuille de papier sulfurisé. Fais un cercle de colle. Puis pose une autre feuille de papier dessus et appuie sur les deux à l'aide d'un fer à repasser. Quand c'est bon, enlève la deuxième feuille et trace le contour de ta main sur la colle. Il faut bien dessiner toute la main. Tu vois comment on obtient le contour des ongles? Maintenant, applique le vernis comme sur une main normale. Le rouge est un excellent choix. Ensuite, retire les ongles. Ils sont exactement à la bonne taille. Tu vois? Ils sont incroyables! Bien sûr qu'ils le sont! Tu penses que tu pourrais survivre avec si peu de moyens? Tu serais surpris de voir à quel point tu peux faire des économies quand tu n'as plus beaucoup d'argent. Et partage cette vidéo avec tes amis! Oh! C'est l'heure de notre défi suivant! Une saucisse et un concombre. Je peux faire quelque chose avec ça. Et moi, des algues, du saumon et du riz. Je pense que je vais faire des sushis. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Bon, l'inspiration va venir en cours de route. Allô? Oui, je cherche un cuisinier qui fait des sushis. Et maintenant, je n'ai qu'à attendre. Parfait! Voilà mes ingrédients! Mais non! Regarde-là! Quoi? Elle a embauché un chef? Vos sushis sont prêts! J'ai fait 2 types de makis au saumon. C'est vraiment pas juste! Pas grave! Moi aussi, je peux faire quelque chose de bon! Je vais simplement vider tout le milieu. Ouais, je creuse bien tout. Maintenant, je peux ajouter la saucisse. Et voilà, ça rentre pile poil. Et maintenant, je découpe d'un bout à l'autre. Tiens, c'est plutôt malin, je dois avouer. Tu vois, moi aussi je peux faire des makis. Hé, qu'est-ce que tu fais là? Allons-y, goûtons. Oh, j'aime le côté bling-bling ajouté par le diamant. Aïe! Oh non! Mes dents! Les diamants m'ont cassé les dents! Comment est-ce qu'on peut manger ça? Hé, ce maquis hot dog n'est pas mauvais! Oh là là! La vie est unanime! Lily gagne ce tour! Ouais! Je le savais! Tu ne peux pas acheter chaque victoire, Sarah! Allez, c'est parti! Attends! Je vais ouvrir le mien en premier cette fois! Oh! Des chaînes en or et en argent! Tiens! Ouh! À moi de voir ce que j'ai! Bon, des nouilles japonaises lyophilisées. Je me demande ce que je devrais faire avec. Oh, je sais ce qui va être bon. Je vais simplement les mettre dans ce récipient. Bien, et maintenant voyons voir. Mais oui, je vais ajouter mes bagues. Hop, elles vont là-dedans. Elles vont m'aider à gagner. Maintenant, je referme. Fini, c'est parfait. Si tu le dis.
Qu'est-ce que je vais faire, moi? Qu'est-ce que je vais faire, moi? C'est vrai que j'ai une bouilloire électrique. Je peux peut-être faire quelque chose avec. Bon, autant essayer. Je vais simplement mettre les nouilles dedans. Sans oublier d'ajouter l'eau, bien sûr. C'est bon, ça devrait suffire. Je vais fermer et l'allumer. Regarde, ça commence à cuire. L'eau a chauffé super vite. Oh, en plus, ça sent bon. Et mes baguettes sont prêtes. Ok, super. Moi aussi, j'ai des baguettes. Des nouilles dans une bouilloire. Qu'est-ce que c'est? Des chênes en or? C'est comestible, ça? Non, vraiment pas. Oh, ces nouilles sont cuites à la perfection! Lily gagne à nouveau ce tour! Ouais, j'ai pris la tête! On va l'ouvrir en même temps cette fois. Hein? Il n'y a rien là-dessous? Attends une petite seconde. Oh, les ingrédients pour faire un burger! Merci beaucoup! Et moi alors? Je peux avoir quelque chose aussi? Quoi? Ah oui! Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai juste du pain? C'est trop injuste! Oh là là, ton assiette fait de la peine! Oh. En plus, j'ai eu cette tranche de pain noir! Attends un instant! Je sais ce que je vais faire! J'ai juste besoin de ce verre. Je vais découper un cercle de pain parfait. Comme ça, c'est parfait! Maintenant, je vais le mettre entre les tranches de pain blanc. Bon, on peut dire que ça ressemble à un steak de burger. Ce n'est pas la ressemblance qui va te faire gagner le tour. Attends de voir ce que c'est qu'un vrai burger. Je dois juste empiler la laitue, le fromage, le steak et la tomate. Et voilà, le burger parfait! C'est sûr que je vais gagner! Oh, cette cocotte est apparue comment? Oh, j'ai compris! Je vais mettre le burger dedans. Regarde! La magie le fait cuire! Oh, je crois que c'est prêt. Mais non! Il est devenu doré! Il y a même des pierres précieuses dessus! Je ne vois pas où est la justice là-dedans. Bon, dernière session de jury. Qu'est-ce que je vois là? C'est juste du pain? J'ai hâte de goûter ce burger en or. C'est comment? C'est super bon. Bon, il faut voter. On vote pour Sarah pour ce tour. Je me répète, c'est pas juste. Ce concours était super amusant. Est-ce que tu pourrais faire quelque chose de bon avec des tranches de pain? Dis-nous dans les commentaires. Et n'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis et de t'abonner à notre chaîne pour voir d'autres vidéos géniales comme celle-là. Hey, je veux un taco. Hein? Qu'est-ce que c'était? Quelque chose m'a réveillée. Attends une seconde. Il y a quelqu'un dans ma chambre? Un cambrioleur! Qu'est-ce que je fais? Je me cache? Au moins, je serai en sécurité. Attends voir. Je ne vais pas le laisser me voler comme ça. Il est temps de mettre mes talents de guerrière à l'épreuve. Je vais juste me rapprocher un peu plus. Ah! Hein? Oh, non, 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 non! Ah, je t'ai eu, saleté de voleur. T'essayes de me cambrioler, hein? Ça risque d'être plus difficile maintenant que tes mains sont attachées. Je suis incroyable. J'ai sauvé la journée. Attends une seconde. Un plumeau? Oh non, je crois que j'ai fait une terrible erreur. Ce n'est pas du tout un cambrioleur. C'est juste une femme de ménage. Laissez-moi vous aider à vous relever. Je suis vraiment désolée. Attendez, je vais retirer le scotch de votre bouche. J'imagine que vous voulez récupérer ça. Trop
trop d'écureuils. Non, ils ont volé mes noisettes. Hein? C'était quoi ce bruit? Je suis sûre d'avoir entendu quelque chose. Je ferais bien d'aller voir, au cas où. Je vais juste me faufiler discrètement dans le salon. Quoi? Oh mon Dieu! Je ne peux pas croire qu'il y ait un cambrioleur dans la maison. C'est tellement ridicule. Oh non, je me suis fait prendre. S'il vous plaît, ne tirez pas. Je vais y aller tranquillement, je le jure. Je ne veux faire de mal à personne. Oh mon Dieu, vous imaginez un voleur essayant de voler quoi que ce soit ici? C'est la chose la plus drôle que j'ai entendue depuis longtemps. Allez-y, continuez à chercher. En fait, je suis assez curieuse de savoir ce que vous pourriez trouver. Peu importe, il doit bien y avoir quelque chose de bien par ici. Ah, c'est pas vrai. Autant vérifier ce petit arrosoir. Rien. Tu as fait tout ce chemin jusqu'ici et pour rien. Tu avais raison. Il n'y a absolument rien qui vaille la peine d'être volé. Oui, je vous avais dit qu'il n'y avait rien. Désolée ou pas? Eh bien, maintenant, je me sens un peu mal. Vous devez être vraiment pauvre. Je me dis même que tu es sans doute plus pauvre que moi. Tiens, c'est ma barre chocolatée. Tu peux la prendre. Oh, mes préférés en plus. Merci, voleur. Une fois, j'ai dû me battre contre un type énorme. Il faisait au moins 2 mètres. Ah, je crois qu'il est temps de sortir du lit. Oh, c'est vrai, je suis riche maintenant. Mademoiselle, j'ai vos gros chaussons en peluche pour vous, si vous voulez. Oh, ça a l'air génial. Oui, s'il vous plaît, allez-y et mettez-les juste à côté de mes pieds. Super, ils sont si doux et chauds. Je les adore. Très bien, voici votre brosse électrique, mademoiselle. L'hygiène, c'est important. Oh, merci. Attends, c'est quoi ce truc? Je suppose que c'est une sorte de brosse, mais je n'ai jamais rien vu de tel. Oh, waouh, regarde, elle tourne toute seule. Oh, je vois! Ce doit être pour nettoyer mes oreilles! D'accord. Mais en fait, c'est pour les dents, avec du dentifrice. Vous vous souvenez que vous nous avez fait commander le dentifrice spécial doré? C'est censé rendre vos dents extra blanches. Oh, oups! Je plaisantais. Je sais que c'est une brosse à dents. Waouh, je ne savais pas que l'or avait un tel goût de menthe. Nous y voilà! Mes dents sont officiellement propres. Très propres même. Maintenant qu'elles ont été nettoyées alors... Trop de robots, pas assez de jambon. Qu'est-ce que c'était que ça? C'était une sorte de cri strident ou quelque chose comme ça. Attends, qu'est-ce que c'est que ça là? Une brosse à dents? C'est le genre de dentifrice que les gens utilisent. En fait, c'est juste une sorte de poudre noire. Pas du tout une pâte. Eh bien, j'ai besoin d'avoir des dents propres. Burke, on dirait juste de la poudre de charbon de bois. Le charbon de bois a juste un peu le goût de la poussière et du feu. Mais bon, je pense que mes dents sont propres au moins. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Un petit selfie? Chérie, je suis contente de voir que tu es réveillée. Je t'ai apporté un petit déjeuner. Oh, un sandwich pour le petit déjeuner, comme c'est original. Merci beaucoup. Quand est-ce que tu as eu ça? Ouf, je commence à avoir faim. Heureusement que j'ai un goûter. Ça va être tellement bon. Tout le chocolat et la noix de coco. Waouh, c'est vraiment délicieux. Mais j'ai tout mangé. Et j'ai encore faim. Cette barre chocolatée ne m'a pas rassasiée. Attends une seconde, je suis riche. Je sais ce que je vais faire. Bonjour, oui, je suis ravie de voir que vous avez apporté mon casse-croûte. Donnez-moi ça. Ouais, ce sont mes préférés. J'ai besoin d'une cuillère géante pour cette pâte à tartiner. Oh, eh bien, si vous avez si faim, j'ai d'autres en cas. Waouh, regarde la taille de ces sucettes. Et si vous voulez plus de chocolat, j'en ai encore. Je pense que je vais prendre les chamallows maintenant. Waouh, vous avez vraiment englouti toute cette malbouffe. Ouf, j'ai trop mangé. Je n'avais jamais autant mangé avant. C'est génial. Oh, super, ils ont ma pâte à tartiner préférée ici. Je vais en prendre un peu. Quoi, c'est tout? Il n'en reste pas un peu? J'y crois pas, c'est vide! Je ne savais même pas que c'était possible! J'imagine que je vais devoir faire au mieux avec ce que j'ai. C'est la tartine la plus triste que j'ai jamais vue! Regarde ma pauvre tartine, elle a très mauvaise mine. Oh, je suis une poétesse! Oh, c'est si triste. Attends, donne-moi ça. Je suis sûre qu'on peut encore en récupérer. Je crois qu'il en reste un peu de ce côté. Et voilà, ça devrait être assez. Je vais juste étaler ça sur ton pain maintenant. C'est mieux. Maintenant, je ne veux plus entendre de poèmes tristes. Merci beaucoup, t'es la meilleure. Enfin, quelque chose à manger. C'est tellement bon. Peu importe que je sois riche ou pauvre, je pourrais manger ça toute la journée, tous les jours. Tu sais, mon ancienne vie me manque un peu. Je me demande si je manque à ma mère. Ou si elle a même remarqué que je suis partie. Tu sais quoi, je me suis assez amusée pour aujourd'hui. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ma mère. Elle me manque.
Oh, regardez ses cheveux, comme ils sont beaux. Je ne veux pas être riche sans ma mère. Elle m'a rendue riche de la seule façon qui compte. Maman, je suis rentrée, je t'ai manqué. Oh, je ne savais pas que tu étais partie. Oh, c'est agréable. Je suis de retour à la maison et elle est là. Maman, tu m'as tellement manqué. Oh, comme c'est gentil. Je t'aime aussi, ma chérie. Oh, de l'argent. Ça aussi, ça m'a manqué. Qu'est-ce que tu achèterais si tu avais énormément d'argent? Dis-le-nous dans les commentaires. N'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis. Et abonne-toi à notre chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci. On est déjà le matin? Mais oui, ma belle chambre luxueuse! Autant que j'entame ma journée. Hein? Des chaussons? Qui êtes-vous? Oh, une femme de chambre! Ouais, pas de problème. Ça doit être sympa d'avoir du personnel. C'est l'heure de vous brosser les dents. L'hygiène buccale est extrêmement importante. Ouais, d'accord. Mais je peux me brosser les dents toute seule. Excellente technique, mademoiselle. Voilà un verre d'eau. Oh, merci. Je vais juste cracher et me rincer la bouche. Je déteste qu'il me reste du dentifrice après m'être brossé les dents. Il faut bien que j'enlève tout. Oh, vous avez fait mon lit? Donc, vous êtes super rapide. Attendez, le dentifrice. Non, je l'ai vu sans faire exprès. Dégoûtant. Je prendrai bien un petit déjeuner. Oh, tenez, mademoiselle, asseyez-vous. Avec des couverts, c'est mieux. Et voilà, votre bon petit déjeuner équilibré. Mais waouh, ça a l'air super bon. Je vais attaquer tout de suite. Madame, je vous en prie, asseyez-vous. Voilà vos couverts. Et votre repas, bien sûr. Merci. Ces tomates cerises ont l'air exquises. Oh là là! Toute cette nourriture! C'est trop bon! Oh! Il a déjà fait la vaisselle. Ah, qu'est-ce que vous faites? Je vous nettoie le visage, mademoiselle. Oh! Dis donc! Merci. C'est bon. Ce colis est prêt à être envoyé. Ah, qu'est-ce que vous faites? Vous venez de jeter mon colis fragile. Mais non, une colombe l'a attrapé. Incroyable. Je vais essayer quelque chose. Oiseau, attrape ce vase fragile. Oh non, il s'est cassé. Eh, ne vous inquiétez pas, j'en achèterai juste un nouveau. Oh, ils ont l'air de bien s'amuser en vacances. C'est pas juste. Moi aussi, je veux partir en vacances. Ou je veux au moins que les autres croient que je m'amuse. Oh, je suis trop jalouse. Attends, j'ai une idée. Alors, j'ai ce couvercle. Je vais avoir besoin de ce tournevis pour retirer la poignée. C'est bon, ça m'a l'air bien. Maintenant, étape suivante. Il y a une belle photo de la Terre prise de l'espace sur la télé. Maintenant, je peux prendre des selfies. Alors, qu'est-ce que ça donne? Oh, tout le monde s'amuse comme des petits fous. Hein? Il y a une photo de Julie. Oh, chérie, viens là. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as essayé de composer un hublot avec un couvercle de casserole? Écoute, je suis ta mère adoptive. Je suis là pour toi. Allez, tu es prête à aller dans l'espace? Vraiment? Mais non! Tu es la meilleure! Wow! Je suis vraiment dans une fusée! Direction l'espace! Incroyable! Quelle jolie vue! Hé! Qu'est-ce qui arrive à mon eau? Ah oui, la gravité! Pas grave! Ces feux d'artifice sont sympas! Oh, attends! C'était trop bien! Je vais essayer quelque chose. Je vais poser ça sur la table et poser mon verre par-dessus. Incroyable! Ils sont trop beaux comme ça! C'est comme si j'étais aux premières loges. Oh, celui-là était mon préféré. Ah! Oula, tu m'as fait peur. Pardon, mais viens avec moi. Bon, tu es prête pour le vrai feu d'artifice? Oui, on est prête, on attend. Oh, incroyable! C'est tout? Je croyais qu'il y en aurait plus. Oh, attends une petite seconde, je vais régler ça. Oui, mettez-nous tous, s'il vous plaît. Tu es prête? Ils arrivent! Wouh! C'est le plus beau feu d'artifice de toute ma vie!
Et tu es la meilleure mère adoptive du monde. Tu es mignonne. Tiens, j'ai un cadeau pour toi. C'est beau une colombe, non? Oui, c'est vraiment beau. Oh! Oh! Elle tombait dessus. Ah! Je suis recouverte de crottes d'oiseaux. Incroyable! C'est la salle de sport la plus chic que j'ai jamais vue. Et voici Eduardo, notre coach privé. J'ai trop hâte de me remettre en forme. Je pense que je vais commencer par quelque chose de simple. Hein? Qu'est-ce qu'elle fait? La ceinture ne bouge même pas. Mademoiselle, vous n'allez pas prendre de muscles comme ça. Oh, je comprends. Il faut simplement que j'appuie sur ces boutons. Waouh! Ça va super vite. Oh! J'ai du mal à tenir le rythme. Ah! Oula! Je crois que c'était trop pour moi. Merci, Eduardo. Hé, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Non, je ne pense pas que les poules devraient porter des pantalons. Hein? Ah, je suis réveillée! Vous avez un bon rythme. Prenez une pause maintenant. Ouf! C'est dur, ces anneaux! Mais je vais être super musclée après ça. Dis donc! Elle est partout! Qui eût cru que ça pouvait être si amusant de faire du sport? Je comprends pourquoi les personnes aisées sont si minces. Oui! Cette balle rebondit trop! Mes bras deviennent trop toniques! Regardez! Où est-ce qu'elle va maintenant? Eduardo, suivez-la! Venez avec moi, mademoiselle Julie! C'est un kettlebell! Voilà comment ça s'utilise! Compris? Maintenant, à vous d'essayer! Eduardo m'a dit d'y aller tranquillement! Bonjour, maman! Tu t'en sors très bien, Julie! Oh, je ne sais pas si je suis assez payée pour ce job! J'ai hâte d'être super tonique! Oh, il faut que je continue à tourner pour que ça soit plus simple pour elle! Je comprends mieux maintenant pourquoi ceux qui le peuvent prennent un coach perso! Je vais barrer le 24 décembre, ce qui veut dire que c'est enfin Noël! J'ai trop hâte! C'est ma fête préférée! Il faut que je trouve un cadeau pour maman! Cette neige brillante est trop jolie! C'est parfait! Il faut que ce soit un Noël qu'elle n'oubliera jamais! Oui, le plus gros que vous avez, s'il vous plaît! Je vais commencer par offrir ce petit sapin de Noël à maman! Oh! D'accord, on oublie le grand sapin! Je ne veux pas faire de l'ombre à celui qu'elle va m'offrir! Mais j'ai une bonne idée! Un gros paquet cadeau! Oui, madame! Tout de suite! Et je vais aussi lui donner ce petit cadeau! Oh non! On n'oublie pas les cadeaux! Enlevez-les! Je vais le mettre juste ici, au pied du sapin! C'est bon, je sais quoi faire cette fois, Père Noël! Et ensuite, ce joli petit Père Noël que j'ai fabriqué pour elle! Oh non! Elle est bien meilleure que moi! Enlevez ce Père Noël! Ça va être le plus beau des Noëls! Il ne reste qu'une seule chose à faire. Chérie, j'ai fait des biscuits et je t'ai apporté du lait. J'ai un cadeau pour toi. Joyeux Noël! Oh, merci beaucoup! Ce petit Père Noël est trop mignon. Défais le ruban, il y a une surprise. Voyons voir. Oh, un câlin gratuit. L'amour est le plus beau cadeau qu'on puisse offrir à Noël. Comment tu t'amuserais si tu étais milliardaire? Dis-nous dans les commentaires. Et n'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis et de t'abonner à notre chaîne pour voir d'autres vidéos géniales comme celle-là. Attention! Oh! Qu'est-ce que tu veux? Regarde ce que j'ai. Un soda. Regarde ça. Non. Tiens, à toi. Merci, je suppose. T'as réussi? T'as fait comment? On s'en moque. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a dessous. Quoi? Rien? C'est impossible. Je suis sûre que mon plat est incroyable. Eh oui, du chocolat.
Alors avec quoi est-ce que je vais le manger? Cuillère, spatule, louche, égouttoir? Non, je vais me contenter de mes mains. C'est parti! Il m'en faut plus! Ça devrait suffire. Ou peut-être un peu plus. Dégoûtant! Qu'est-ce qui arrive à mon plat? Oh oh! Je l'ouvre? Jamais d'avis! Tu ne peux pas ouvrir ça? Il faut que je vois ce que c'est. Hein? C'était... Oh, du chocolat doré! Incroyable! J'enlève le papier et... Une tablette rutilante de chocolat! Miam, miam, miam! Je sens l'éclat de l'or dans ma bouche. Tu devrais te regarder rapidement. Quoi? Pourquoi je ferais ça? Non, 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 non! J'ai les dents dorées! Non! Non! Hein? Mon chocolat? Qu'est-ce qui se passe? Mais non! C'est trop beau! Tout brille! J'espère qu'il y a du chocolat à l'intérieur! Oui! Allez, je goûte! Des pièces en chocolat! Oh! Je vais en prendre une! Je dirais celle-là. J'ai hâte de la manger. Je tire ici et là et... Incroyable! C'est trop bon! Délicieux! Pfiou, je m'ennuie de cette journée! Je pourrais peut-être m'évader un peu. Hé, cet endroit est génial! Je suis riche! Une seconde? Ce n'est pas vraiment ce que j'avais imaginé. Ces murs sont tous sales. Voilà qui est mieux. Qu'est-ce qui aurait besoin d'un petit coup de chiffon? Faire la vaisselle est une certaine forme de méditation. Et quelqu'un doit bien la faire. Et voilà, je ne vais pas m'arrêter là. Oh, vous avez soif, mes jolies! Ça devrait suffire. Oh! C'est pour moi? Tâchons de ne pas tout dépenser d'un coup. Mince! Oui! Je suis trop forte! Et le coup final? J'y suis presque! Quoi? Une baisse de débit? Ce n'est pas le moment! Je peux peut-être arranger ça. Voyons! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Un appel! Oh oui! Allô? Allô? Vous pouvez réparer mon internet? Je pense que oui! Voilà! C'est revenu! La partie peut reprendre! Allô? Je suis encore là! Oui! Je finis toujours par gagner! Oh! Allons-y! Oh oui! Quoi? Pourquoi tu me fais ça? J'imagine que je dois attendre. C'est lent! Oh! Quelle heure est-il? 2%? Wouhou! Ah! Fausse alerte! Oh! Cet avatar est nul! Il n'y a aucun vêtement qui lui aille! Où est-il? Là! Allô? J'ai besoin de vous maintenant! Un petit souci de mode? Ah! Ok! Passez la monnaie! Maintenant, on peut travailler. Commençons par les accessoires. Hé, laissez mes cheveux tranquilles. C'est pour mon avatar. Je ne sais pas à quoi vous pensiez en vous coiffant. Ah! Vous pourrez la fermer? Quelle grossièreté! Regardez! Aidez-la, elle! Voyons voir ce que je peux faire. Ça devrait marcher. Voilà, c'est un poil osé. Peut-être trop?
Elle a aussi besoin d'une arme. Ça ne va pas. Je sais. Voilà, c'est parfait. Oui, magnifique. J'imagine que vous voulez jouer. Qu'est-ce qu'il manque à cet avatar? Je n'ai pas beaucoup de choix. Lui aussi semble fatigué. J'ai besoin d'une pause. Hé, bonjour. Venez, s'il vous plaît. Moi? Voici mon problème. Il a besoin d'un petit coup de main. Vous avez vu son look? Oh, je vois. Le marteau est pas mal, non? Vous en dites quoi? Non! Donnez-lui une poêle, c'est plus puissant. Ouais, bonne idée! Vous m'êtes d'une grande aide. Il va falloir y aller. Allez-y, comme ça! Ouais, je vais le battre! Qu'est-ce qui se passe? Il ne fonctionne déjà plus? Oh, c'est trop nul! Allô? J'ai besoin d'un nouveau casque! Voici le nouveau modèle avec diamant incrusté, madame! Waouh! Quelle beauté! Oh, le son est impressionnant! Oh, bien joué! Ok, tout va bien! Ouais! Génial! Hé! Hey, j'entends plus rien! C'était pas censé se passer comme ça! Je crois que c'en est fini de mes écouteurs! Oh, tout n'est pas perdu! Bingo! J'ai été frappée par le génie ou quoi? Haha! Dites bonjour au nouveau casque gobelet! Allô? Oui! Allez, c'est parti! Attention au vaisseau! Quoi? Saleté d'alien! J'y crois pas! Ah! Je crois que j'y suis allée un peu fort! J'ai drôlement mal! J'ai besoin d'aide! Qui puis-je appeler? Ma masseuse? J'ai besoin d'aide! Vite! Vous avez besoin de mes mains magiques? J'ai mal aux doigts à force de cliquer! J'ai les mains qu'il vous faut! Et voilà! Ça fait du bien, n'est-ce pas? Ce doigt va vite être remis sur pied. Ça va mieux? Oh oui! On dit souvent que j'ai des doigts en or. Je me sens drôlement mieux. Merci! Cliquez bien! Allez, laisse-moi tranquille! Oui, j'y suis quasiment! Yeah, je vais t'avoir! Oh là là! Ça fait mal. J'espère qu'il n'est pas cassé. Je sais! Je vais utiliser ma main de secours. Je me débrouille plutôt pas mal, hein? Ce n'est pas une crampe aux doigts qui va me ralentir. Ouais! Bien joué! Ce jeu de course est excellent! Waouh! Regardez ce réalisme! J'aimerais tellement en conduire une pour de vrai. Mais oui, je sais comment y croire un peu plus. Et regardez-moi ce casque. Allez, c'est parti pour un petit tour. Bye bye. C'est pas si facile à contrôler. Tu vas gagner. Je t'avais dit que j'y arriverais. Waouh, cette route est vraiment sinueuse. Oh mais, d'où sort ce mec? Non! Je l'ai! J'ai évité la catastrophe. Je sais, il est temps de passer à la vitesse supérieure. Maintenant, j'ai un vrai volant. Bip bip, laissez-moi passer. Hé! Hey! Qui a pris le siège des toilettes? Jared? Oups, je t'aurais mieux d'y aller.
Que préférais-tu être? Un joueur fauché ou un joueur blindé? Être riche est toujours plus facile, n'est-ce pas? À moins d'être inventif, bien sûr. N'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis. Je ferais mieux de noter ces copies d'examen. Tout semble correct. Quel beau travail! Ça mérite un A+. Qui est le prochain? Oh, waouh! C'est une plaisanterie! C'est un scandale! Ça m'a fait du bien! Qu'est-ce qui vient de se passer? Un dé? Pas possible! Ce n'est pas correct. Je peux corriger ça. Je dois juste faire preuve de créativité. J'ai terminé toutes mes notes. Maintenant, place à la partie amusante. Je dois les rendre jolies. J'utiliserai mes surligneurs. Waouh! J'adore! Changeons de couleur. Je suis d'humeur jaune. Doucement! Je ne veux pas tout gâcher. Oh! Tu m'as laissé tomber! Stupide feutre! Quel est le problème? Oh, je suis vraiment désolée! Il a glissé! Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un désastre! C'est un sacré problème! Ouais, je sais quoi faire! Je dois faire quelques ajustements. Je couperai une section de la pointe. Ça devrait le faire. Waouh, c'est d'une beauté! Ça fera l'affaire. Tiens, essaye ceci. Oh, encore du jaune! Waouh, je n'y crois pas! Faisons un essai. Waouh, regardez ce mouvement! Je suis bouche bée! Ces lignes sont parfaites. Quelle sensation! Je n'ai jamais été aussi heureuse! Votre attention, c'est une classe monochrome, compris? Waouh, je dois nettoyer mes oreilles. Je ne suis pas les règles. Je suis tellement sournoise. Rien ne peut m'arrêter. C'est quoi le problème avec les couleurs vives? Elles sont jolies. Bof, c'est une règle stupide. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Attendez une seconde, je peux percevoir une couleur vive. Zoom! Comme je le pensais. Comment oses-tu? Je dois y mettre fin. Un tas d'ennuis. Hein? Oh, bonjour! Je prends ça. À la poubelle. Attends-moi là. Je n'en ai pas fini avec toi. Ah, c'est ce dont j'ai besoin. Prends ça. Fais de la place. Qu'est-ce que vous faites? Aïe, ça pique! C'est de ta propre faute. Donne-moi ces écouvillons, dis adieu aux couleurs vives. C'est parti? Comment vous avez fait ça? Tu es la prochaine, je suis sérieuse. C'est le jour du test. J'espère que vous avez étudié. Yes. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai complètement oublié. Oh non, c'est mauvais. Où est mon stylo? Pourquoi c'est arrivé? Annie, j'ai besoin d'un stylo. Hein? Désolée, je n'ai que celui-ci. Oh non, qu'est-ce que je vais faire? Je vais échouer. C'est quoi tout ce bruit? Je n'ai pas de stylo. Oh, ne t'en fais pas. Je dois en avoir un. Un instant. Il faudra faire avec. Tiens, pour toi. C'est une blague? Je vais essayer. Ce ne sera pas facile. Je n'y arrive pas. Ça ne fait qu'empirer les choses. Laisse-moi réfléchir. Je ne peux pas décevoir Luna. Je vais enrouler de la laine autour de ma carte bancaire. Quelques couches supplémentaires devraient faire l'affaire. Maintenant, je peux couper l'excédent. Je glisserai la laine hors de la carte. Je ne dois pas la laisser se défaire. Je vais pousser les extrémités au milieu. Ensuite, je fais un nœud. Je veux faire un pompon. Comme ça. Maintenant, je vais couper le bord. Je vais le peigner pour le rendre bien doux. Ça me donne des idées pour une nouvelle coiffure. Je vais mettre ceci de côté. Je vais envelopper un bâton dans du plastique. Je veux faire un tube. Maintenant, je vais ajouter de la colle au bout. Ça suffira. Où est mon pompon tout doux? Ah, le voilà! Je vais coller Barbie au sommet. Ça a l'air bien, mais il lui faut un peu d'éclat. Ensuite, j'aurai besoin de perles. Elle ira à l'autre bout de la paille. Il m'en faudra plus. Je vais attacher un bout d'une chambre d'encre. Ensuite, je vais sceller l'extrémité avec de la colle. Je ne veux pas qu'elle tombe. Il reste encore une chose à faire. Je vais mettre un autocollant Barbie dessus. Et voilà! Un stylo Barbie rose. Ah, qu'est-ce que c'est? Waouh, c'est pour de vrai? C'est mon jour de chance! Waouh, merci! Je peux finir le test! Vous êtes la meilleure! Tu le mérites! Je pense que nous pouvons commencer. C'est l'heure d'un test. Et je l'ai rendu extra difficile. Allons-y!
Je vais terminer ma correction. Ça ne prendra pas longtemps. Tout le monde reçoit un F. Je n'ai même pas à regarder les réponses. Attendez, quelque chose ne va pas. Oh, mon stylo est à court d'encre. C'est énervant. Une seconde. Jusqu'ici, tout va bien. L'intello a un stylo. Attends, je connais celle-ci. Je sais. Hein, où est mon stylo? Tu veux dire mon stylo? Arrêtez, voleuse de stylo! Qu'est-ce qu'il y a? Comment je fais pour écrire? Je ne sais pas. Vous avez volé mon stylo! Méchante! Arrête de pleurnicher comme un bébé! Je vais noter ta feuille de suite. Voilà. Vous plaisantez? Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi son problème? Fais-le-moi savoir dans les commentaires. D'accord. Quoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Un B+, je le prends. Maintenant, sors d'ici. D'accord. Je déteste ce travail. Il n'y a pas pire que les enfants. Prête pour votre test? Vous pouvez commencer. Et on ne triche pas. Bon, c'est parti. Je dois juste prendre quelque chose. Quoi? Où est-ce qu'elle est allée? Attendez. Je ne comprends pas. Waouh, c'est cool! Où est-ce qu'elle est? Ne me regarde pas! Ça doit être mon imagination! Arrête de parler et mets-toi au travail! Oh, allez! Ce n'est pas juste! Je savais que ça me serait utile! Ça a l'air top! Qu'est-ce que tu regardes? Ça ne se voit pas! Regarde, c'est une fête scolaire! Et c'est à 18h30! Quelle heure est-il? C'est dans 20 minutes! On ferait mieux de se préparer. Il ne faut pas perdre de temps. Comment je suis? Non, ce bouton est énorme. Il faut qu'il parte. Je sais quoi faire. Ça me sauvera la mise. Adieu, bouton. Je vais simplement le maintenir contre le bouton. Il fait tout le travail. Maintenant, j'attends. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Hein? Qu'est-ce que c'est? C'est un destructeur de boutons. Waouh, je veux l'essayer. Je ne pense pas. Peu importe, je n'en voulais pas de toute façon. Attends, j'ai une idée. Je me demande, ça vaut la peine d'essayer? Je vais utiliser un crayon pour relier les boutons. La règle gardera les lignes bien droites. Maintenant, je vais colorer les boutons. Ça aura l'air génial. Je vais ajouter quelques touches finales. Incroyable! Je suis prête à faire la fête. Allons-y! J'ai tellement hâte! Je ferais mieux de me préparer pour le cours. Bonne idée! Où est mon stylo? Oh, majordome! Voilà qui est mieux. Une seconde! Il n'écrit pas. Majordome, réglez-moi ça. Oh, te voilà! Tu te moques de moi? Qu'est-ce qui se passe? Là, c'est ridicule! Majordome, ça suffit! J'en ai assez! C'est tellement agaçant! Laisse-moi tester quelque chose. J'ai une idée. Il suffit que je mouille les plumes. Ça devrait suffire. Regarde ça. C'est un bel arc-en-ciel. Ça va, Eva? Majordome, tu sais ce qu'il faut faire. Ne me déçois pas. Waouh! Regardez-moi ça. C'est merveilleux. Il y a tant de stylos parmi lesquels choisir. Faites attention, la classe. Aujourd'hui, nous allons dessiner des sirènes. Elles ressemblent un peu à un poisson. Waouh, c'est tellement cool. Allons-y. Ah, mon crayon porte bonheur. Il ne m'a jamais déçu. C'est tellement pathétique. Je dois passer un appel. Je suis sur les lieux. La situation semble normale. Aucune menace apparente. La marchandise est sécurisée. Il est temps de livrer le colis. Alors, la chose intéressante est... Hein? Tu as pris trop de temps. Je devais m'assurer que personne ne m'a suivi. Je pense que vous allez être satisfaite. On a parcouru le globe pour ça. Waouh, je suis impressionnée. Tu as fait du bon travail. Regarde toutes ces couleurs. Tu vois tout ça? C'est plutôt bon, n'est-ce pas? Qu'est-ce que t'as dit? Waouh, c'est tellement cool. C'est beaucoup mieux que mon crayon. Oh, tu plaisantes. Je l'aimais bien. C'était drôle. Tu vas pleurer, nerd. Quoi? Ne sois pas méchant. Ton attitude est vraiment blessante. Je vais tout dire à ma mère. Et tu penses que j'ai peur? Aïe! Des bruits forts!
Donne-moi ça. Je l'ai. Hé, je suis plutôt bon. Je pense que c'est le dernier. T'as vu ça? Il est incroyable. Waouh, comment il a fait ça? Attendez, ça me donne une idée. Je peux utiliser ce tube de chips. Tout d'abord, je dois faire un trou à la base. Aussi simplement que ça. Maintenant, j'enlève le couvercle. Je verse des bonbons dans le tube. Ça a l'air bon. Ça suffit. Ensuite, je dois découper un disque à partir du couvercle. C'est parfait. Il doit rentrer dans le tube. Maintenant, je dois le décorer. Je vais l'entourer de ce carton. Ensuite, je le scelle en place. Ça en fait un excellent porte-crayon. Plutôt bien, n'est-ce pas? Ce gamin ira loin. Nous pourrions avoir besoin de quelqu'un comme lui. Attendez que les gars entendent ça. Je pense que je mérite une récompense. Délicieux. Et le professeur n'a aucune idée. Chut, j'essaie de me concentrer. J'ai besoin de plus de bonbons. Je suis tellement sournois. Qu'est-ce que nous avons ici? Waouh, c'est tellement mauvais. C'est un F. C'est encore pire. Nul. C'est un désastre. Eh bien, il est temps de décevoir quelques personnes. Ce selfie est tellement mignon. Si seulement tu consacrais autant de temps à tes cours. Un F? C'est quoi cette tâche? Oh, ma note! Oh non, encore un F! Mon père va être tellement en colère! Plus de cartes de crédit. Seuls ceux qui réussissent peuvent dépenser mon argent. J'ai fait de mon mieux, papa! Oh, de l'or! Hourra! Cela te donnera une leçon. Un petit coup de main? C'est affreux! Je suis dans de gros ennuis. Tiens! Comment tu as pu, David? Je ne peux même pas te regarder. Tiens ton nouveau téléphone. Tu plaisantes? Allô? C'est tellement bizarre. Je ne vais pas me laisser faire. Je vais parler au professeur. J'ai besoin de réparer ça. Hein? C'est une blague? Je veux que vous corrigiez ça. Tu essayes de me soudoyer? Moi? Jamais. Je n'oserais même pas y penser. Ah, je comprends. Donne-moi une seconde. Voilà. Merci. Ça me fait plaisir. J'aime assez mon travail. Je n'arrive pas à le croire. Hé, regarde ça. J'ai obtenu un A+. Quoi? Comment? Je suppose que je suis juste intelligente. Qu'est-ce que je vais faire? Attends, j'ai trouvé. Ce sera tellement facile. Je dessinerai sur le F. Tout comme ça. Là, c'est bien mieux. Je devrais avoir un A+ pour Trisky. Yeah. Maman et papa seront tellement fiers. Je pose ça sur mes réseaux sociaux. Attends, t'as aussi obtenu un A+? Bien sûr que oui. C'est vraiment facile quand on y pense. De quoi il parle? Je suis tellement confuse. Oh non, ça ne peut pas arriver, je n'ai plus de papier. Je sais, j'utiliserai simplement de l'argent. Ah, j'ai besoin de plus. Pouvez-vous ralentir? Il y a tant à apprendre. Attendez, qu'est-ce qu'il a dit? Donnez-moi juste une seconde, pouvez-vous répéter ça? Je ne comprends pas. Maintenant, c'est la partie importante. Vous allez aimer ça. C'est juste tellement excitant. Je vous crois sur parole. Je suis à court de papier. Attendez, maman. Je vais juste écrire là-dessus. Il y a tellement d'informations. Quoi? Oh, on est à court de temps. Eh bien, mon travail ici est terminé. Je ferais mieux de l'effacer. Je m'amusais tellement. Eh bien, je m'en vais. Quoi? Je n'avais pas terminé. Qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant? J'ai l'air bien. J'adore ce rouge à lèvres. Je ne veux pas être en retard pour le cours. Fais attention! Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Ça va laisser une bosse. Je ferais mieux de ranger mes affaires. Hein? Ce n'est pas à moi. C'est assez étrange. Est-ce que c'est ton cahier? C'est chic. Donne-moi ça. Tu ne sais pas apprécier les belles choses. Oh, voilà mon tampon. Je tamponnerai toutes mes affaires. Et dorénavant, on saura ce qui m'appartient. Pff, comme si ça me faisait quelque chose. Oh, un bâton de colle. Ça pourrait être utile et plus besoin d'un tampon sophistiqué. Ouais, ça fera l'affaire. Je ferais mieux de me mettre au travail. Je prends un couteau. Je l'utilise pour tailler le bâton de colle. J'enlève des sections. Je prends mon temps. Une erreur et tout est gâché. J'enlève cette partie. Ça doit aller. Mais j'ai besoin de couleurs. J'utilise de la peinture pour cette partie. Je m'assure que le bâton de colle est bien couvert. D'accord, le moment de vérité, je le presse sur le papier. Et il laisse derrière un cœur d'amour. Regarde ça. Mais dis donc, t'as aussi un tampon? Je vais te montrer. Alors, c'est comme ça, hein? Je suis une machine à tamponner. Tu ne me battras jamais. Oh, elle est tellement agaçante.
Cette affiche est à moi. C'est ce que tu penses. Ah non, certainement pas. J'ai toujours voulu cette affiche. Trop lent. Ha, j'ai eu l'horloge. Je peux faire ça toute la journée. C'est mon bureau. J'ai toujours voulu ce trophée. Qu'est-ce qui se passe? Oups, je crois qu'on a gaffé. Quoi? Oh non! Vous êtes sérieux? J'en ai assez. Il n'y a qu'une seule solution. Tu as échoué à ce cours, et toi aussi. Ouais, je suppose que c'est juste. Allez-vous-en maintenant. J'ai besoin d'un nouvel emploi. Oh. Cette classe est tellement ennuyeuse. Qu'est-ce que c'est? D'où est-ce que ça vient? Un test? C'est sérieux. T'as dit un test? Non, ça doit être une blague, n'est-ce pas? Non, c'est la réalité. Et il est très difficile. Oh allez, je n'ai même pas étudié. Heureusement, je n'ai pas besoin d'étudier. Je peux utiliser mon téléphone. Je le mets dans ma trousse. Toutes les réponses sont à portée de main. Hein? Je ne savais pas ça. Ça va être facile. Bonne chance, David! Je ne réussirai jamais! Je suppose que ce sera encore un F. À moins que... J'ai une excellente idée, il me suffit de faire quelques ajustements à mon stylo. Je commence par le démonter, je retire les strips anti-glisse. C'est tout! Maintenant, je place une bande de papier sur le stylo. Il contient toutes les réponses. Ensuite, je remets les strips anti-glisse en place. Je m'assure qu'elle couvre la feuille de triche. C'est parfait! Je vais certainement réussir maintenant. C'est intéressant! Et le professeur ne se doute de rien! Il me suffit de tourner le stylo pour avoir les réponses. C'est exactement ce que je recherche. Je ferais mieux de me dépêcher. Et qu'est-ce qui se passe ici? Super test! L'un des meilleurs! Ça me fait vraiment travailler dur. Oh là là, je ferais mieux de rester cool. Je vais changer l'image sur mon téléphone. Je prends juste un stylo. D'accord. Je l'ai échappé belle. N'est-ce pas? Elle ne se doute de rien. C'est notre secret. Bip bip, je passe. J'aime voyager avec style. C'est la seule façon de le faire. Youpi, c'est l'heure du cours. Je ferais mieux de verrouiller ma trottinette. On ne peut jamais être trop prudent. Une minute, qu'est-ce que c'est? They see me rolling. This is my right. Qu'est-ce que t'en penses? Regarde ça. Donne-moi juste un moment. C'est ça. Arrête, arrête. C'est hors de contrôle. Donc c'est comme ça que ça se termine. Ah! Ça va être serré. C'est fini. T'es folle. T'aurais pu me blesser. T'es si énervante. Oups, mon volant. Je vais le prendre avec moi. Chalalalala, j'adore cette chanson. Mais la classe est sur le point de commencer. Y'a quelque chose qui va pas? Salut voisine, comment ça va? Bien, pourquoi elle me parle? J'ai des écouteurs. Plutôt sympa, non? Fais comme si t'avais rien vu. Avec des fils? Waouh! Tant pis, ils fonctionnent quand même. Peu importe, regardez ça. C'est le dernier modèle. Jalouse? Non, pas vraiment. Eh bien, peut-être un peu. Attends, qu'est-ce qu'il y a dans la poubelle? C'est un morceau de carton? Ça me donne une idée. Je dois juste faire quelques ajustements. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Pas possible! Le clavier est prêt! Maintenant, j'ai besoin d'un écran. Cette impression fera l'affaire. Maintenant, j'ai un ordinateur portable. Qui est jalouse maintenant? T'es tellement tragique. Il te manque quelque chose. C'est ce qui fait la différence. Je vais régler ça. Moi aussi, j'ai une pomme. Je vais la placer sur le carton et la coller à sa place. Je ne veux pas qu'elle tombe. Ça devrait aller. Tu veux voir? T'as vraiment fait ça? C'est hilarant. Peu importe, je suis satisfaite du résultat. C'est l'essentiel. Oh, je suis épuisée. Je dois me rafraîchir. Majordome? Votre ventilateur doré, madame. Permettez-moi. Une brise fraîche juste pour vous. Ah, c'est bon. Waouh, c'est ce dont j'ai besoin. Je peux utiliser ce carton. Ah, beaucoup mieux. Tu le fais manuellement? Je ne me salis jamais les mains. C'est ça, alors? Je vais te montrer. T'as raison, ça fait du bien. Est-ce que tu viens de voler ma brise fraîche? Ce ventilateur est à moi. Ah, j'adore ça. Oh, ne fais pas ça, je le veux. Arrête de faire ça. Pointe-le dans cette direction. Jamais. Comment ça va, la classe? Oh, je commence à avoir la tête qui tourne. Arrêtez. Elle a commencé.
Il n'y a qu'une seule chose à faire. Je peux pas regarder. Est-ce que c'est sûr? Qu'est-ce qu'elle fait? Je dois vous montrer quelque chose. Regardez ça. Je vais poser ma combinaison sur le ventilateur. Prenez une jambe chacune. Je suis si confuse. J'ai aucune idée de ce qui se passe. Patientez, je vais allumer le ventilateur. Regardez-le partir. Waouh, c'est incroyable! C'est génial! Ah, finissons-en avec ça. J'ai prévu une virée shopping. J'ai besoin d'un encas rapide. Ce brownie fera l'affaire. Regardez-moi cette douceur chocolatée. Délicieux! J'avais besoin de ça. Et je peux utiliser ce papier pour la classe. D'accord. Je ferais mieux de prendre un crayon. Attends un peu. Je peux pas utiliser ça. Regarde-le. Il est minuscule. C'est ridicule. Qu'est-ce que je vais faire? C'est ton crayon? C'est embarrassant. J'ai fait personnaliser ces crayons à Paris. Waouh, je peux en avoir un? Tu veux un de mes crayons? Absolument pas. Oh, t'es tellement méchante. C'est la vie. J'en ai fini avec ça. Attends. Ça me donne une idée. Je vais prendre ça. J'aime cette boisson gazeuse. Il reste peut-être quelque chose. C'est quoi ce bruit? Oh, maintenant j'ai tout vu. Il est temps de se mettre au travail. Je pose la paille sur la table. Je place un crayon à une extrémité et l'autre crayon à cette extrémité. C'est la taille parfaite. Maintenant, j'ai un nouveau crayon. Essayons-le. Il fonctionne. Est-ce que t'es sérieuse? On ne me verra jamais avec ça. Quel crayon je devrais utiliser? Celui-là. C'est le jour du test et c'est une zone sans téléphone. Arrête! Ne fais pas un pas de plus. Tu ferais mieux de ne pas avoir de téléphone. Attendez, donc c'est sérieux? Je reviens tout de suite. Quoi? Qu'est-ce qui vient de se passer? C'était bizarre. Je peux pas la laisser prendre mon téléphone. Et qu'est-ce que je vais faire? Allez, réfléchis. Hein, qu'est-ce que c'est? C'est une boîte de crayons. Je sais quoi faire. Je suis un génie. Je vais enlever les crayons. Je veux faire de la place pour le téléphone. Je vais retirer les crayons du milieu. Ça devrait aller. Maintenant, j'ai besoin de mon couteau. Je vais faire une coupure dans la boîte. Elle doit être de la même taille que le téléphone. Je veux faire un rabat. Comme ça. Je mets mon téléphone à l'intérieur. Puis, je referme le rabat. Personne ne le saura jamais. D'accord, allons-y. Je suis de retour. Est-ce que je peux entrer dans la classe? Nous verrons bien. Je dois te scanner. C'est vraiment nécessaire? J'ai rien avec moi, vraiment. Rien. T'es pas en train d'être sournoise, n'est-ce pas? Je n'oserais pas. Vous êtes plutôt intense. D'accord, tu peux passer. Oh, je savais que ça marcherait. Qui est le suivant? J'ai réussi. Je pense que la voie est libre. Je peux sortir mon téléphone. J'ai toutes les réponses dessus. Je vais certainement avoir un A. Je ferai mieux d'agir naturellement. Qu'est-ce que c'est? Vous vous moquez de moi? Je peux entrer? Aucun téléphone n'est autorisé. Ok. Oh, prenez-le, je suis trop occupée pour ça. Oh, c'était facile. J'arrive pas à croire à cette règle. Heureusement, j'ai un nouveau téléphone. L'autre était vieux de 3 mois. Il était de toute façon temps de le remplacer. Celui-ci est bien meilleur. La prof m'a rendu un service. Il est temps de faire des achats en ligne. Étire-toi. Sens tes muscles travailler. Oh, on est obligé de faire ça. Stop, transpirons un peu. Je déteste ça. Il faut souffrir pour être belle. Je veux pas être belle. J'ai une idée. Peut-être que ça va te motiver. Du chocolat? Marché conclu. Ne t'arrête pas. Lâche prise. Attends. Délicieux. Désolée pour ça. J'en ai assez. Il nous faut une approche différente. Ça pourrait marcher. Hein? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que tu en penses? Regarde ce sable doré. Wow, je vais aller là-bas. Allons-y. Je dois être prête pour la plage. Ouf, ça marche. Je reviendrai plus tard. Il faut que je continue. C'est tellement drôle. Prête à commencer? Ce sera amusant. Je ne pense pas, non. J'ai des choses plus importantes à faire. Selfie! Allez, tu vas aimer. Vous n'allez pas me laisser tranquille, hein?
Donnez-moi simplement les pois. Berg, dégoûtant! Vous voulez que j'utilise ça? Regardez-les! Ils sont dégoûtants! Je vais pas toucher à ça. Allô, j'ai besoin de votre aide. Maintenant, j'attends. Laissez-moi les voir. Okay. C'est beaucoup mieux. Je dois avoir l'air bien lorsque je m'entraîne. Ouais, c'est ça. Je suis mignonne. Non, mais vraiment? Hé, arrête ça. Ne me force pas à utiliser le sifflet. Ah! Ne faites pas ça. D'accord, faisons du surplace. Continue. Non, je ne cours pas. Oh. Ah, je sais. Regarde ce que j'ai. Mets ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Donne-moi juste une seconde. Et voilà. Oh, ça change tout. Regarde ce sable doré. Je savais que ça te plairait. Mon travail ici est terminé. Wouhou! Rien ne peut m'arrêter. Attends, non! Aïe! Qu'est-ce que c'était? Peut-être que c'était pas une bonne idée. Je vais partir maintenant. Berg, dégoûtant! Je t'avais dit que c'était une mauvaise idée. Attends, les toilettes? Oh, regarde ça! Tu viens avec nous, Ducky. Je pense que nous sommes prêtes. Regarde, l'eau sort de sa bouche. Et mes mains sont bien propres. Qu'est-ce que tu fais? J'allais me laver les mains dans les toilettes. Pas possible! J'ai touché le jackpot! Ne t'inquiète pas, je vais chercher de l'aide. Qu'est-ce que... Sauvez-moi! Je te tiens. Waouh, regardez tout cet argent. J'y crois pas. C'est le plus beau jour de tous les temps. Il faut faire une descente dans les toilettes. Oh, ça pue! Berk, qu'est-ce que t'as mangé? Oh, je suis tellement fatiguée. Je vais me reposer les yeux. Il est temps de faire peau neuve. Maman va être très surprise. J'ai dû m'endormir. Regarde ton nouveau look, maman. Hein? Oh! Ah! Donne-moi ça. Non, c'est à moi maintenant. Peut-être que ça te fera changer d'avis. Pas d'accord. Bon, et si je te proposais une voiture? Hein? Non, je suis un enfant. Ah, j'ai une idée. Waouh, elle est super. Donne-moi ça. Qu'est-ce que ça fait? Tu auras besoin de ça. Hein? Voilà de quoi je parle. Laisse-moi t'aider. Waouh, c'est vraiment génial! Attends, ça va dans le jouet? C'est bon, je peux le faire. Maintenant, je peux tirer sur le levier. Maman, ses cheveux poussent! Est-ce que tu vois ça? Je pourrais faire ça toute la journée. Je pense qu'il a besoin d'une coupe de cheveux. C'est ma chance de briller. Viens ici. Je vais te donner un nouveau look. Snip, snip, c'est très amusant. Au moins, mes cheveux sont en sécurité. Waouh, j'ai adoré. J'ai trouvé ma nouvelle passion. N'y pense même pas. Mes cheveux, pourquoi t'as fait ça? Je trouve que t'as l'air bien. Tu es dans le pétrin. Génial, maintenant mon pull tombe en lambeaux. Est-ce que cette journée pourrait être pire? J'adorais ce pull. Maman? Oh! Attends, où est-ce qu'il est passé? Ah, ça pourrait être amusant. Wouhou! Je fais quoi maintenant? Attends une seconde. Je crois que j'ai une idée. Je vais découper le carton en forme de corps. Puis, je dois le décorer. J'utiliserai de la peinture pour ça. Ce rose est parfait. Il est temps de libérer l'artiste qui sommeille en moi. Ce projet me fait plaisir. C'est relaxant. J'ai envie de faire une jolie tenue. Mais il manque quelque chose. Il me faut des cheveux. Je peux utiliser la laine de mon pull. Je l'attacherai à la tête. Tadam! Hey! Waouh! Regardez tous ces cheveux! Waouh! Ils sont si longs et si beaux! Il faut que je les coupe. Ça marche! Ça fait du bien! Ne bouge pas, maman! Tu fais du bon travail! Voilà qui devrait suffire! Waouh, c'est très bien! Je savais que ça te plairait! De quoi est-ce que j'ai l'air? Ouf, j'ai encore des cheveux! Waouh, c'est bien ce que je pense! C'est de l'or! C'est à moi! Je l'ai vu en premier! Regarde ce que t'as fait! Attends, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que nous sommes? Regarde là-bas! Oh! N'y pense même pas!
Essaye de m'arrêter. À bientôt. Je l'ai. Pas si vite. Wow. L'atterrissage a été mouvementé. Attends. Qu'est-ce que tu portes? Oh, cette vieille chose. Ce n'est que ma tenue de tous les jours. Je savais que ça allait arriver. Tu vas perdre. On commence? C'est parti. C'est bon. Attends, je sais quoi faire. J'ai une idée géniale. Je vais rendre ma sucette encore plus savoureuse. Je vais y ajouter la saveur de l'herbe. Oh, je peux pas oublier la saleté. Les déchets ajoutent du croustillant. Ce sera la sucette la plus savoureuse de tous les temps. J'utilise ma recette secrète. J'aurai besoin de beaucoup de crottes de nez. Je vais mettre la sucette dans le seau. Je dois récupérer toute cette morve juteuse. Waouh, regardez-les. J'en ai l'eau à la bouche. Essayons-les. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas manger ça. Voilà qui est mieux. Je sais ce qu'il faut faire. Je peux utiliser ce petit gars. Il t'évitera de salir ta sucette. Qu'est-ce que tu en penses? C'est amusant, n'est-ce pas? Waouh! Laisse-moi voir ça. C'est merveilleux. C'est la meilleure chose que j'ai jamais vue. Ok, c'est l'heure de la sucette. Miam, délicieux. Merci, maman. Pas de quoi. Ça aurait pu être grave. Ouf! Maman, regarde ce que j'ai! Oh, c'est dégoûtant! Elle arrive! N'y pense même pas. Je vais vomir. Non, je plaisante. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Je le nettoie rapidement, ensuite je pourrai le décorer. Oh, ça a l'air sympa. C'est mignon, hein? J'ai fait un trou dans le fond. La sucette peut aller à l'intérieur. C'est pour toi. Hein? Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est un porte-sucette. Oups, je l'ai fait tomber. Désolée. Hé, regarde ça. Elle est encore propre. Délicieuse. Merci, maman. Je ne fais que mon travail. T'es la meilleure. Et cette sucette est incroyable. J'ai vraiment besoin d'une manucure. Je devrais prendre rendez-vous au salon. Je demanderai au majordome de le faire. Du chewing-gum. Maman, j'ai besoin que tu fasses une énorme bulle. Oh, j'arrive jamais à finir ma manucure. Finissons-en. D'accord, c'est parti. C'est plus difficile que je ne le pensais. J'attends. Wow, t'as réussi. Maman, maman, maman. Ne t'arrête pas. Non, j'ai terminé. Oh, attention, maman. Reste loin de la lumière. Maman, est-ce que ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh, ça va? Je ne ferai plus jamais de bulles. J'ai une meilleure idée. Je laisserai ça faire tout le travail. Je suis désolée, maman. Détends-toi, ne t'inquiète pas. Tu vas l'adorer. Regarde ça. J'ai besoin d'un mélange à bulles. C'est alors que le plaisir peut commencer. Voici les bulles. Waouh, il y en a tellement. Je veux les faire éclater. Oh, t'as vu ça? C'est formidable. Il y en a beaucoup plus. Pourquoi tu n'essayes pas? J'attendais que tu le demandes. Waouh, je me sens si vivante. Je suis le maître des bulles. Je ne veux jamais que ça s'arrête. Oh, elle est tellement heureuse. Je ferais mieux de finir mes ongles. Je sais plus où j'en suis. Comment est-ce que c'est possible? Je sais pas. Des bulles sortent de ta bouche. Je n'ai fait que manger le savon. Attends, tu as fait quoi? Tu te moques de moi? Pourquoi t'as fait ça? Oh, c'est joli! Je suis une machine à bulles. Bien sûr, si tu le dis. Je dois commencer à cacher le savon. Oh, c'est tout ce dont j'ai besoin. Attendez, je pense que je peux utiliser ça. Je couperai le bouchon de la bouteille. Waouh! Ensuite, j'aurai besoin de plusieurs pailles. J'en couperai de petits morceaux. Je mettrai les pailles dans le bouchon de la bouteille. Oui, ça suffira. C'est parfait. Maintenant, j'ai besoin d'un élastique. Je l'enroulerai autour du goulot de la bouteille. Ensuite, je le tiendrai comme ceci. Je glisserai l'élastique sur un ventilateur. Maintenant, je plonge la bouteille dans du savon à vaisselle. Tu vois ça? Regarde les bulles. Waouh, c'est incroyable. T'es une maman de génie. Pop! Je l'ai eu. Plus, j'en veux plus. C'est super sympa. Ok, à mon tour. Amuse-toi bien, ma chérie. Et ne mange plus de savon. Je me demande, qu'est-ce qui peut arriver de pire? Il n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup d'argent pour s'amuser. Il suffit d'un peu d'imagination et de créativité.
Quelles sont les activités amusantes que font vos parents? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et de vous abonner à notre chaîne pour d'autres superbes vidéos comme celle-ci. Mais chérie, le Picasso est pour la maison d'été, pas la maison d'hiver. Oh, attends, on m'appelle. Oups. C'est juste mes fonds de poche, laisse-le. C'est quoi tout ce bruit? C'est de l'argent? Quelqu'un a dû le faire tomber. Bonjour. Madame. Quelque chose m'a touchée. Ne nous volez pas. Quoi? Non. Vous avez fait tomber ça. Oh, n'est-elle pas mignonne? Est-ce qu'on la garde? On peut. Je promets de m'occuper d'elle. Tiens. Je n'en veux pas. Alors, qu'est-ce que tu veux? Oh. Ça suffit, n'aie pas peur. On va te laver. Tu sens très mauvais. D'accord, merci. C'est juste divin, la dernière mode à Paris. Bonjour, ma chérie. Moi. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, on a adopté une sans-abri et je veux la faire belle. Elle est passée où? Oh non! Ça peut servir? Pourquoi jeter ça? Je les adore! Viens là, tu me fais honte. Voici la sans-abri. Enfin, la fille dont je vous parlais. Vous pouvez faire quelque chose avec ça? C'est que j'ai beau avoir un esprit créatif, ça reste un défi. Bonjour, ça va? Mais ma chérie, j'adore les défis. Cette jupe va vraiment mettre en valeur son pain. Dis donc, c'est beau! On n'a pas encore fini. Essaye ça. Vous avez raté. Je ne l'aimais pas de toute façon. Ça va être trop classe. Comment vous faites ça? Peu importe, j'adore. J'ai l'impression d'être une princesse. Elle a l'air riche. Merci. Je vous en prie, prenez ça. Et un petit quelque chose pour votre travail. C'était un plaisir. Au revoir, madame la modeuse. Ces vêtements sont horribles. Arrête d'aller à la poubelle. Qu'est-ce qui vient de se passer? Quelle chambre! Elle est beaucoup plus belle que ma décharge. C'est du vrai or? Je n'en ai jamais vu. Cette maison est énorme. Oh, regarde ça! Ça doit être de l'art. Oh, incroyable! Une souris! Un animal rien que pour moi! Elle me fait penser à la souris de ma décharge. Tiens, petit bonhomme! Hé, partage un peu! Ça chatouille! Qu'est-ce qu'on s'amuse? Tu veux sortir de la cage? Allez, ne sois pas timide! Salut! T'es trop mignonne! Tu as faim? Goûte ces graines! Tiens! Non? Tu n'en veux pas? Bon, ça fait plus pour moi! Pas mal? Vraiment pas mauvais, en fait! Bonjour, chérie! Tu t'installes bien? Qu'est-ce que tu fais? Oh! Je vais vomir! De la nourriture! Tout de suite! Donnez-moi ça! Hé! Où sont passées les graines? Merci! Je préfère ça! Comment j'ai pu faire ça? Bonjour, madame la licorne! Vous êtes si jolie! Tout doucement! C'était quoi ça? Oh! C'était moi! C'est bon, je peux me remettre au travail! Ne bouge pas, ne dis rien! Pour toi, ils seront prêts à payer une belle rançon! Oh, tu es lourde! Chérie, c'est l'heure de se réveiller! Ma petite fille! Elle est partie! Allô? On a votre fille! Vous devez payer la rançon aujourd'hui ou sinon... On ne va pas rigoler! Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux qu'on te détache? Tu es pénible! Bon, mais ne tente rien! Voilà! Tu peux te taire maintenant!
Ils ont ma princesse. Ah! Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Elle n'est plus là. Ils veulent une rançon. Ils ont appelé et ils menacent de blesser notre bébé. Il faut qu'on paye tout de suite. Elle doit avoir tellement peur. Fais quelque chose. Ne t'inquiète pas. J'ai des espèces quelque part. Allez, on va faire votre examen de contrôle. Ouvrez grand. Qu'est-ce que tu fais? Je ne vois rien. C'est bon. Je crois que c'est tout ce que j'avais sur moi. Vite! Cette couleur est trop jolie. Elle vous va vraiment bien. Les garçons vont m'entendre pour m'avoir laissé seule sur cette mission. Il faut que je me reconvertisse en braqueur de banque. Donc, vous n'êtes pas fan. Allez, on va chercher notre fille, chérie. Allez! Papa et maman sont là. Quoi? Vous devez manger tout ça. S'il vous plaît, sortez-la de là. Tu vas bien? On a été si inquiets. Oh, j'ai ça. Ça va peut-être faire mal. Non, s'il te plaît. Non! Joyeux anniversaire. On a des cadeaux pour toi. Vite, amenez-les. Allez, on ne regarde pas. C'est bon, tu peux ouvrir les yeux. Oh! Oh, dis donc! Une poupée! Elle est magnifique! Merci, maman, je l'adore! N'oublie pas la télécommande! Amuse-toi bien! Allez, essaye-la! C'est trop marrant! Allez, c'est parti! Bonjour, je suis Princesse Sparkle. Sois mon amie. C'est tellement réaliste. Oh, d'accord. Elle a de la poigne. Demande-lui de me lâcher. Pardon, maman. Je ne sais pas comment on arrête. Aïe, ça m'a fait mal. Elle est trop bête. Je suis bonne pour une manucure. On va réessayer. Éteindre. Ce n'est pas ce que je voulais. Peut-être en essayant ça. Aïe. C'est génial! Ça ne doit pas être si dur à gérer! Génial! Elle danse! On va faire la fête! Elle est déjà cassée! C'est nul! Il faut que je détruise l'épreuve! Je vais laisser ça là! Et maintenant, je cours! Allumé. Je n'avais jamais vu de popis dorés. C'est quoi ça? Bienvenue dans ta nouvelle maison. On t'a trouvé une sœur. C'est trop bizarre. Oh, j'en ai toujours rêvé. Bienvenue dans la famille. Tu achèterais si tu avais des milliards? Dis-nous dans les commentaires en dessous. La vie serait beaucoup plus simple si on pouvait dépenser sans compter, mais n'oublie pas que l'amour vaut plus que tout. Partage cette vidéo avec tes amis et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour voir d'autres vidéos comme celle-là. Et voilà, les décorations en forme de ballon sont installées. Bien, voyons voir dans le frigo. Alors, je suis sûre que j'avais mis un plat spécial de côté. Ah, le voilà! Heureusement que j'ai mis une étiquette. Et maintenant, les bougies. Joyeux anniversaire, Annie. Hein? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Une fête surprise juste pour moi? Bien sûr, joyeux anniversaire. Allez, fais un vœu. Youpi! J'ai hâte de manger mon chou d'anniversaire. Laisse-moi juste enlever une feuille. Voilà. Il est trop bon et bien frais. Je vais en reprendre une feuille tout de suite. Joyeux anniversaire, ma chérie. Je suis si heureuse que tu aimes ton chou. Oh, c'est pour moi? Bon, d'accord. Je veux bien me laisser tenter.
Waouh! Regarde ce qu'il y a au centre de mon chou! Un bonbon entier! C'est le plus bel anniversaire de ma vie! En plus, il est à l'orange. Je sais que ce sont tes préférés. C'est vrai! Mais tiens, c'est meilleur quand on partage! Je mets le dernier ruban et la décoration est terminée. Faites-moi voir. Je ne sais pas. Est-ce qu'elle va aimer? Joyeux anniversaire, Emma chérie. Voilà ton gâteau. Quoi? Je déteste ce gâteau. C'est pas du tout ce que je voulais. Oula, non. Vous pouvez faire mieux? Bon, eh bien, je vais voir ce que je peux faire. Je pourrais ajouter ces quelques décorations à la place. Voilà, c'est prêt et c'est magnifique. C'est bien différent. Je me demande si elle va l'aimer. Oh, un cupcake sur mon gâteau! J'adore ça! Aïe! Ma dent! Maman, pourquoi tu m'as fait ça? C'est pas vrai! Non, non et non! Il y a forcément une autre solution! Oh, c'est vrai! Elle adore les fruits frais! Vous pouvez sûrement faire quelque chose à partir de ça! Oui, bien sûr! Je suis chef pâtissier, après tout! Nous travaillons souvent avec des fruits! D'ailleurs, ces emporte-pièces vont m'aider avec le design. Je vais découper les fruits avec. Ça ajoutera un petit quelque chose. Qui a envie de manger des fruits ordinaires quand on peut avoir des étoiles et des fleurs? Maintenant que tout est découpé, il est temps de décorer le gâteau. Heureusement, il y a assez de place sur le gâteau pour tous les morceaux de fruits. Et le gâteau est terminé. Tada! Qu'en pensez-vous? Bravo! C'est un chef-d'œuvre de pâtisserie, c'est évident. Joyeux anniversaire, Emma chérie. Voici ton gâteau. Waouh, j'adore les gâteaux et j'adore les fruits frais. C'est vraiment délicieux. Ma petite fille chérie ne mérite que le meilleur. Joyeux anniversaire. Ouf, je pense que je suis prête pour la rentrée des classes. Hé, mes crayons! Oh non, ils sont tous écrasés. J'y crois pas. Comment je vais ranger mes crayons maintenant? Oh, c'est ça qui était sous ma chaussure. Sorry. Bon, je ferai bien de sortir mes propres marqueurs et autres fournitures. Je pense que j'aurai ce qu'il faut pour aujourd'hui. Maintenant, mes cahiers, mes pochettes et mes classeurs. Je peux peut-être les remettre dedans. Oh là là, c'est tellement pathétique. Bon, j'imagine que je peux bien l'aider. Et Annie, tiens, tu n'as qu'à utiliser ça pour aujourd'hui. C'est pour moi? Vraiment? Waouh, merci beaucoup, Emma. Avec plaisir. Oui, regarde toutes ces fournitures incroyables. J'ai une super idée. Je vais utiliser ces élastiques et les étirer sur la couverture du classeur. Et maintenant, ces élastiques vont maintenir mes fournitures en place. Regarde, je peux en mettre encore plus à l'intérieur. Waouh, il peut contenir beaucoup de choses. Cette fois, toutes mes affaires sont rangées et sécurisées. Oh, joli travail, Annie. Merci. Mais je n'y serais jamais arrivée sans toi. Il est temps de commencer le cours. Merci encore, Emma. Elle, c'est ma maman. Oh, pourquoi je suis tellement fauchée? Et lui, c'est mon papa. Lâche-la. Jamais. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Waouh, c'est pour moi? Voilà le plus beau des cadeaux pour la plus belle des princesses. Tu vas voir comme il est doux. Joyeux anniversaire, ma chérie. Merci, papa. J'ai quelque chose d'autre pour toi. S'il vous plaît, regarde ce magnifique gâteau. Il a l'air bon, hein? Oh, j'adore les gâteaux. Qui n'aime pas ça? Mais ce n'est pas tout. Oh, des cadeaux! Attends un peu, tu vas voir. Tu es prête pour la surprise? Tu vas adorer, tu vas voir. Waouh! C'est un gros cadeau, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est, papa? Bonjour, vroom vroom! C'est ton chauffeur personnel. En voiture. Ma deuxième fête d'anniversaire. Je me demande bien ce que maman m'a préparé. Coucou, maman! Joyeux anniversaire, ma puce! Tiens, j'ai quelque chose pour toi. Je l'ai emballé moi-même. Oh, ma deuxième chaussette! Merci, maman! Génial, maintenant j'ai les deux! Et voilà ton gâteau! Tiens, maman, prends-en une part aussi! Merci, ma chérie! Tu es tellement adorable! Non, j'ai dit que je voulais deux yachts et un avion! Au revoir! Coucou, papa! J'arrive, ma chérie. Ah!
Ah! Je te tiens. Ouf, c'était moins une. Est-ce que ça va? Je viens de voir ma vie défiler devant mes yeux. Je me fiche qu'il soit au beau milieu d'une opération. Passez-le-moi tout de suite, je veux parler à un médecin. Ma fille adorée vient de subir un traumatisme violent. Il faut qu'elle voie un médecin d'urgence. Je me rends compte à quel point la vie est précieuse. Vous avez demandé un médecin? Oh, c'était rapide. Je vous en prie, aidez ma fille. Je m'en occupe. J'espère que je vais aller mieux. Installez-vous confortablement. Tenez ça. Ça devrait faire baisser la température. Est-ce qu'elle va s'en sortir? J'ai peur pour elle. Ne t'approche pas de la lumière, d'accord, mon cœur? Oui, papa. J'adore tricoter, c'est tellement relaxant. Maman, je me suis fait mal en tombant. Je suis sûre que ce n'est rien. Fais voir. Oh, waouh! Il faut qu'on soigne ça. Ça tombe bien, il me reste des légumes au congélateur. Allonge-toi. C'est un peu froid, mais ça devrait aller. Un peu de patience. Pendant ce temps, je vais terminer mon tricot. C'est bien plus difficile que ça en a l'air. Bon, fais-moi voir ce bleu. Et voilà, il est parti. Ça a fonctionné à merveille. En plus, ça a décongelé le repas de ce soir. Impeccable. J'espère que tu as faim. C'est déjà l'heure du dodo? Oui, c'est l'heure de dormir. La couverture pour avoir bien chaud. Et voilà. Fais de beaux rêves. Je n'ai pas envie de dormir. Je préfère jouer. Ah, c'est l'heure de se détendre. J'espère qu'il passe un bon film ce soir. Maman ne va même pas remarquer. Bizarre, pourquoi la télécommande ne marche pas? Où sont passées les piles? C'est étrange. C'est trop marrant. C'est mieux que de dormir. Qu'est-ce qu'il se passe ici? Je parie que cette petite cache quelque chose. Tout doucement, attention. Tout doucement. Je croyais t'avoir dit qu'il était l'heure de dormir. Ah! Quelle horreur! Elle est tombée dans le panneau. Oh, mon pauvre bébé. Attends une minute. C'était trop marrant. Au lit, jeune fille. Et donne-moi cette console. Je récupère les piles. Il faut dormir maintenant. Ce n'est plus l'heure de faire des bêtises. C'était juste une blague. Bon, je vais peut-être pouvoir regarder la télé maintenant. Voyons voir ce qu'il y a. Ouh, ça a l'air bien. Quel suspense! Oh! Je ne peux pas m'empêcher de regarder. Oh, waouh! Hein? Qu'est-ce que c'est? Oh! Ouf, ce n'est qu'un ballon. Mais comment c'est arrivé là, ça? Ouh, ça me donne la chair de poule. Je parie que c'est encore une de ces farces. Ah! Je t'ai eu! Je vais finir par faire des cauchemars! Je ne pensais pas que ça allait marcher. Viens par là. On va regarder quelque chose de sympa ensemble. Quelque chose qui ne fait pas peur. Bonne nuit, ma princesse. Rêve de belles licornes et de jolis billets. Allez, il est l'heure de faire dodo. Bonne nuit, papa. Je fais juste une petite partie. Oh, qu'est-ce que ce bruit? Oups. Non, ma puce, ce n'est pas l'heure, voyons. Donne-moi ce téléphone. Bonne nuit. Les autres aussi. Bon, d'accord. Je pensais que tu ne remarquerais pas. Moi aussi, j'ai été jeune. Je connais tous ces tours. Ce n'est pas juste. Tiens, je me demande bien ce que ça fait. Vous m'avez appelé? Je suis votre humble serviteur. Ah, voilà pour vous, c'est pour le dérangement. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Tout va bien, chérie? C'est pas ce que tu crois. Je peux t'expliquer. Je t'avais prévenu. Oh! Ah! Au secours! Oui, ça doit faire mal. Bien fait pour lui. Le beau prince sauva la princesse et ils vécurent heureux pour toujours. Oh, est-ce que quelqu'un pourrait m'aider? Salut, maman! Comment s'est passée l'école? Tu as passé une bonne journée? Tu m'as tellement manqué aujourd'hui. Oh, waouh! Il y a plein de gâteaux! Il y a quelque chose qui te ferait plaisir? J'ai toutes sortes de gâteaux. Maman, je peux avoir un gâteau, s'il te plaît?
C'est vrai qu'ils ont l'air bons. Ils sont délicieux. Vous allez adorer. Approchez, ma chère. Pensez à votre petite chérie. C'est tout ce que j'ai. C'est tout? Désolée. Eh bien, ce n'est pas assez. S'il vous plaît, madame! Comment dire non à une si jolie frimousse? Gardez votre argent. Tiens, voilà pour toi. Regarde, maman! Oh, non! Je suis désolée, ma chérie. Papa! Oh, salut! Je peux peut-être vous aider. Je pense que ça devrait faire l'affaire. Une mallette? Vraiment? D'accord, j'avais bien joué le jeu. Nom d'une profiterole. Je suis riche. Prenez ce que vous voulez. Moi, je prends des vacances. Ah, qui a envie d'une glace? Tenez, servez-vous. Waouh, quelle jolie robe! J'aimerais tellement avoir la même. Coucou ma puce, tout va bien? Papa, je veux cette robe. Oh, bien sûr, mon ange. Oh, ne bouge pas, je reviens tout de suite. Allô? Oh, super, qu'est-ce qu'il veut cette fois? Oui? Ma petite princesse veut une jolie robe. Je compte sur vous, c'est compris? Entendu, monsieur, oui. Waouh, regarde toutes ces robes! Tournez pour voir. Je n'aime pas trop la couleur. Ça ne va pas. Je pense que j'ai quelque chose qui te conviendrait mieux. Que penses-tu de quelque chose qui brille? Non, ce n'est pas moi. Celle-ci t'irait bien mieux. Je n'aime pas trop. Je dois bien avoir quelque chose que tu aimes. Ah, voilà. Qu'est-ce que tu en penses? C'est parfait. J'ai l'impression d'être une princesse. Waouh, beau travail. Vous avez réussi. Oh, qu'est-ce qu'elle est mignonne quand elle lit. Cette robe est moche. Waouh, celle-ci par contre. Ça m'irait vachement bien. Maman, je peux avoir cette robe? Combien elle coûte? Tout ça pour une robe? Mais elle est trop belle! Je suis désolée, mais je n'ai pas les moyens. Il faut que je trouve une solution. Je peux peut-être la faire moi-même. Je pense que je peux y arriver. On découpe un peu. On ajoute un peu de ruban. C'est pas mal du tout. Je vais être trop jolie dans cette robe. Plus que la touche finale. Et voilà, qu'est-ce que tu en penses? Merci, maman! Je l'adore! C'est exactement ce que je voulais! Nous avons tous des parents différents, mais peu importe qu'ils soient riches ou pauvres, ils nous aiment tous autant. Quelles sont les choses les plus adorables que tes parents font pour toi? Dis-le-nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis et de t'abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres vidéos amusantes comme celle-ci.